Salut à tous, c'est le Charles du Cheshire en direct sur Gaming TV pour ce petit stream sur du League of Legends aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Désolé, il y a eu un petit retard sur la coupure des rediffs, mais tout va bien, on est quand même dans les temps par rapport à la semaine dernière, encore heureux. Donc, alors, j'espère que vous allez bien comme dit dernièrement. Donc du coup, on se retrouve encore cette semaine pour un peu de League of Legends de grosse qualité, j'ai envie de dire. Donc jusqu'à 18h. Donc on va commencer tout de suite dans le vif du sujet. Nous allons entrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire nous allons commencer tout de suite et maintenant par une game en ranked de moi-même. Gros niveau qui va être montré aujourd'hui. Et après cela, après que j'ai carry mes mates en ranked, bien entendu, car ça sera le cas. Nous passerons à des game viewers, comme bon vous semble. La semaine dernière, on m'avait proposé de faire un Ultimate Bravery. Je vais voir d'ailleurs si vous êtes chaud et si vous voulez qu'on commence par ça aussi après. On va d'abord se chauffer tout de suite avec une petite ranked. Je suis en BO pour monter en Silver 4. J'ai perdu la première game du BO. Il me reste encore, encore deux chances pour y arriver, bien entendu. Et voilà, donc on est parti. Dans la joie, la bonne humeur et la bonne ambiance générale, bien entendu. Donc c'est parti. J'espère donc que... Oh, the match found. Allez, c'est parti. On est chaud. Ah. Excusez ma tête de... Mes yeux très 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 fermés. J'ai malencontreusement très peu dormi. Hi. Je me suis couchée à 11h et réveillé il y a de cela une petite heure. J'ai eu quelques soucis techniques ce matin qui ont fait que je suis rentrée fort tard. Je commence pas calme. Ah, donc on va carry sévèrement et salut à toi Choupa Choups. Ça va? Pas mal le fail envoie sur la TV2. Le fail envoie sur la TV2? Moi j'ai rien fait, hein. J'ai que les logs de la TV1, donc ce n'est pas possible que j'envoie sur la TV2. Je suis connecté sur la TV1. Donc j'ai rien envoyé sur la TV2, moi, personnellement. Ce n'est pas possible. C'est pas techniquement possible. Donc je pense que tu dois te tromper. Ou alors je ne sais pas. Mais non. C'est TV1 et rien d'autre. Enfin, normalement. Donc voilà, donc du gros niveau, nous sommes en Silver 5 en BO pour passer en Silver 4. On va voir ce qu'on va pouvoir choper. Top high dudes. Non, ils ont pas tous donné leur... Et du coup, pourquoi que du LOL? Faut arrêter, mais il n'y a pas que du LOL, il y a plein d'autres choses sur Gaming, voyons. C'est juste que mon émission est basée sur LOL. Après, bien entendu, si tu n'aimes pas LOL, si tu préfères regarder autre chose, tu peux t'abstenir et aller regarder d'autres émissions. Bien entendu qu'il y a des émissions sur StarCraft, Hearthstone, etc. Donc, de toutes les manières, il y a de tout pour tout le monde. Pour tout type de joueur. Donc, de toutes les manières, je ne vois pas pourquoi on ferait une généralité. Il n'y a pas que du LOL dans la vie, bien entendu. Et bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Et salut à toi, Tone. Non, TV1, chat de légende, c'est bon. Bah oui, tout est bon. Pascal au bistrot. Très bon pseudo, très recherché. Tout à l'heure, c'était TV2, je suis sûre. Non, ça a été annoncé sur la TV1. Mais après, c'était peut-être une erreur de calcul sur le coup, mais normalement, non, TV1. Bon, enfin bon. Et salut à toi, Vitch. Go prendre Abra. Abra? Abra. Pardon? Ça c'est dans Pokémon, Abra. Ça n'a rien à voir, il n'y a pas Abra dans League of Legends. Tu as fait un plan puzzle hier. Non, j'ai été faire un poker avec des amis hier soir. J'ai perdu. J'ai perdu lamentablement. Sur les conseils avisés d'un ami qui m'a dit all in alors que je n'avais qu'une paire de 5 et malheureusement, eh bien, ça s'est mal passé pour moi. Bon, on va les supports.
Parce que support, c'est la vie. On va aller carrer en support. Qu'est-ce qu'on va prendre en support? Alors, je partirais bien en fonction de ce qu'ils vont prendre en face. Oh, Graves. Et coucou! C'est quel niveau? C'est un niveau moyen, très moyen. C'est du silver. Mon dieu, tu commences à quelle heure maintenant? De quoi quelle heure? Mais je commence à 16h, mais 16h c'est l'heure normale. C'est juste que la semaine dernière j'ai commencé à 17h30. Car il y a eu des petits problèmes techniques très légers qui ont fait que j'ai pris grand, beaucoup, beaucoup de retard. Oh Léona, aïe aïe aïe. On va prendre Lulu. On va prendre Lulu. Lulu c'est bien. Toc. Et toc. Voilà. Lulu, c'est parti. Il y avait des paris sur ton retard. Vous êtes sérieux? Moi j'ai eu quoi? J'ai eu 2-3 minutes de retard, mais c'est parce que y a pas, les redifs ont pas été coupés tout de suite en fait. Mais au final tout va bien. Je n'ai pas 1h30 de retard, ce qui fait qu'au final je suis à l'heure, tout va bien. Alors, donc je vais être avec Varus en botlane contre une Leona Graves. Je sens que ça va être sympathique. Morgana support contre Leona marche pas mal aussi. J'aime bien Lulu. Elle a pas mal de contrôle sur pas mal de choses et j'aime bien ce personnage. Elle est un peu couteau suisse. Enfin, j'ai l'impression. Elle me fait un peu penser à un couteau suisse. Vu que ses sorts ont à chaque fois deux façons d'être utilisés. C'est plutôt sympathique. Alors. Bon, les deux teams sont plutôt pas mal. Le combo chaîne-panthéon risque de faire mal. Chaîne-panthéon plus ulti-dig, ça risque d'être... ça risque d'être intéressant. J'ai l'impression de t'avoir déjà vu au meltdown. Après, peut-être je confonds. Non, c'est tout à fait possible, Zblax. C'est tout à fait possible que tu m'aies déjà vu au meltdown. J'habite sur Paris et j'y vais de temps à autre. Donc c'est tout à fait possible que tu m'y aies croisé. Ce sont des choses qui arrivent. Il m'arrive d'aller au meltdown avec des amis, boire des coups. Donc nous sommes partis dans cette partie magnifique. Nous sommes donc en ranked, je suis en BO pour remonter en Silver 4 après mes nombreuses défaites de matchs de placement. Je suis tombé en Silver 5 et je remonte gentiment. Un peu beaucoup, je suis sceptique. Sceptique à quel niveau, pardon? Lulu, c'est un peu de la saloperie en sup. Oui, j'aime beaucoup. Je trouve qu'elle est très agaçante. En plus, elle a un rire très 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 agaçant aussi. C'est dans le même genre de la lignée de Lux, Timo, etc. Donc c'est très... Ah ben, si c'était toi, t'étais bien rebou. Ah ben, c'est tout à fait possible, Blax. C'est des choses qui arrivent, malheureusement. Ça arrive même au meilleur. Regarde, moi, par exemple. Il est sceptique comme une fausse. Une fausse sceptique. Gros jeu de mots, merci Pascal Obistro. C'était un jeu de mots particulièrement magnifique. Nous sommes donc partis dans cette magnifique game. Avec une défaite pour commencer ton BO, c'est pas top. Non, c'est sûr que j'ai commencé mon B. Je n'ai pas commencé mon BO sur les chapeaux de roue. Même pas du tout. 5 loss in a row already. Well, another loss. What? Pourquoi les gens partent défaitistes tout de suite? Il s'est encore rien passé, l'ami. Le mec, il part tout de suite défaitiste. Alors, c'est bon, encore une défaite. Pourquoi? Ça arrive surtout au meilleur. Pourquoi le chat du Cheshire? Parce que le chat du Cheshire, c'est le chat d'Alice au Pays des Merveilles. Et qu'il est plutôt cool. Donc, c'est parti d'un truc avec des potes sur le fait qu'on avait tous pris des pseudonymes au niveau d'Alice. Genre, il y avait le chapelier fou, le lièvre de Mars, le chat du Cheshire et le lapin blanc. Il y avait tout ça. C'est parti là-dessus quand j'ai commencé LOL. Let's go down the rabbit hole. Tout à fait, c'est ça. Très bien, ça il voit chat. Ça il voit chat de l'année. Ta phrase ne veut rien dire. Très bien, ça il voit chat de l'année. Ne veut rien dire.
Ils avaient tous pris de la drogue aussi, too much LSD. Oui, tout à fait, c'est ça aussi. On est parti sur un délire, on était complètement drogués, bien entendu, oui. Non, non, c'est vraiment. Je sais plus pourquoi c'est parti là-dessus en fait, je sais pas. Pour avoir des pseudos qui matchent, pour faire des teams, des machins, des trucs, mais bon, au final. Au final, ça ne s'est pas fait. Et il y a que moi qui ai gardé le pseudo au final. Mais je l'aime bien. Je m'y suis attachée sentimentalement. Baisse les graphismes, transfert FPS, ça arrache la tête. Ah, les graphismes sont déjà très très bas. C'est à cause du stream, malheureusement. Quand je stream, je passe à 30 FPS. Ce qui est un peu triste, vu que je suis à 80, 90 normalement. Mais bon, ça diminue pratiquement de moitié. C'est assez agaçant, mais je fais avec. J'ai l'habitude, j'avais un PC encore bien plus pourri avant. Qui tournait à 20 FPS. Donc j'ai l'habitude pour moi. Easy. Y a pas de soucis. Tout va bien. Bon, la botlane, ça risque de pas être très 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 jouissif avant un moment, avant qu'il y ait des petits trades. Du. Oh, ouais. Tout doux, toi. Ok. J'ai pas regardé ce qu'ils avaient comme jungle. Ah oui, c'est Panthéon. Good job! T'as fait beaucoup de maths à ce que je vois. Oui, j'ai fait beaucoup de maths. Quand je dis 90 qui passe à la moitié 30, oui, je sais, je suis très bonne en maths. Je le sais. Mais j'arrondis, tu vois. On va pas chipoter à quelques FPS près. Tout va bien. Pas chipoter sur des FPS, de toute façon c'est pas les vôtres, c'est les miens, ça ne vous concerne pas. Même si vous vous sentez concerné au final, car malheureusement vous les voyez aussi. C'est Baudelaire. Baudelaire? Qu'est-ce que Baudelaire vient faire ici? Guys, Dragon. Drago has lag. Need to restart PC. What? Ah. Super. Donc on n'a pas de jungler quoi. C'est génial. Super. Ça commence vachement bien. Je suis aux anges. Ah. Doudou, doudou. Ouais, son pote qui a des coups. Partie pourrie, c'est parti. C'est génial. De toute façon, elle envoie son stream en 24 ou 30 FPS. Elle pourrait être à 200 FPS IG. Ça changerait pas grand-chose finalement. Au final. Oui, mais ça serait. Vous auriez moins cette impression de lag en jeu que j'ai moi-même, qui est assez agaçante au final, mais bon, on s'y fait, tout va bien. J'ai déjà si peu de mana. Pourquoi tu chantes? Pourquoi je chante? Je sais pas, je chante en parlant, ça me motive, tu vois. Parce que quand il se passe pas grand-chose, c'est plutôt sympa. Parce que la botlane, avant qu'il y ait des trades, on s'ennuie quoi. Oh, oh. Oh, oh, oh. Eh bien, je me suis fait choper magnifiquement. C'était super. J'ai kiffé. Et nous n'avons pas de jungle. Et ils vont push la tour. C'est génial. Fais gaffe, fais gaffe, mais il kill! Oh! Oh! Et oh! Ah, dommage. Ah, il aurait eu un double kill. Quel dommage. Well.
GG. C'est bon, les mecs, c'est bon, il y a eu des morts, tout va bien. La partie est finie, nous allons tous mourir. Quelle équipe de winners? Je sens que ça va être bien. On s'ennuie. Oui, mais tu vois, il y a eu de l'action au final. Pauvre femme, elle ne nous égalera jamais. Oh, c'est parce que je suis une femme, tu crois? Tu crois que j'ai des capacités moindres et que du coup, je ne peux malheureusement pas rivaliser avec la gent masculine? Tu penses que c'est pour ça? Ma vie n'a plus aucun sens, du coup. Je comprends tout maintenant. Ah, quelle déception. J'aurais dû naître homme, tout aurait été bien plus facile. Aïe aïe aïe. Bonjour. Doudou les amis là, faut se calmer là. Ah, il est level 6 avant quand même. Chétan, dis pas des choses comme ça, on prend tes propos très au sérieux, tu pourrais choquer des gens. Les boobs c'est la vie. Ouais, les boobs j'aime bien aussi, ouais. Je suis plutôt pour le fait que les boobs c'est la vie. Oh mais putain, il s'est fait des pop. C'est génial, je sens que cette game va être magnifique. Je sens que c'est très bien parti, c'est génial. J'apprécie grandement. What the fuck is going on with Volley? Bah, il a dit qu'il avait des lags et que du coup il avait du déco sur PC. Il faut que je montre mes boobs. Bah, j'apprécierais de ne pas avoir à le faire parce que, écoute, je pense que ce n'est pas particulièrement intéressant. On l'aura pas, ça sert à rien, ma poule. On ne l'aura pas, ta copine. Passons notre chemin. Il y a un modo sur ce chat. Ça se voit par rapport au déco. Ouais, c'est génial. On a un déco. Tout va bien. Je suis enchantée. Ah. Ne pas perdre patience. Tout va bien. Peut-être qu'il va revenir et qu'il va nous carry hard et qu'au final nous allons gagner cette game. Et comment ça se passe sur les autres lanes? Alors, Xinzo a l'air d'aller plutôt bien. Mon Volley est déjà mort quand même une fois avant de partir. Hein. Faut noter ce fait. Mais Fizz a l'air d'avoir un peu de mal. Quoique. Oh, fais gaffe, ma poule. Ils sont pas terribles. Plus que la partie. Plus que la partie. Quoi? Hein? De what? Que dites-vous? Oh là là, il prend tellement cher le pauvre Varus. Oh la vache. Oh putain, je peux pas faire beaucoup plus. Ok! Oh mais génial, mais mec! Sérieusement, il est sérieux. Bon, c'est super! Tout va bien! On a juste deux échos. Tout va bien! C'est génial. Je pense que on va finir cette partie sur un petit solitaire ou un truc comme ou un démineur en attendant que ça se finisse. Je le sens très très mal, pour le coup. Chat, tu voudras duo? Chat, pour duo? Ça va. Disons que, au niveau des AFK, je ne suis pas particulièrement bien loti.
Malheureusement, pas de bol, hein. Écoutez. De toute façon, on va partir sur des game viewers après. Histoire de rigoler un peu, parce que là, c'est pas très drôle en fait. Ça ne m'amuse guère. Ça me pourrit le moral, quoi. Je suis enchantée que cette partie se passe aussi bien. Je te spectate et la chance que tu es en ranked est absolue. Tout à fait, je crois que j'ai une chance en ranked complètement inimaginable. Mais bon, malheureusement, les AFK, ça arrive. Oh, je le sens mal. Je ne le sens pas, mon cher Xanzao. On ferait mieux de partir. Il y a des jours comme ça, on devrait mieux jouer à Tetris. Ouais, je crois que c'est ça. Des jours comme ça, où en fait, bah, t'aurais mieux fait de rester dans ton lit. Et ne pas jouer à LOL, malheureusement. C'est pas grave. Chose qui arrive, malheureusement. À tout à chacun. Où est Noah? On veut du Noah, go duo avec Noah. Mais je ne sais pas où est Noah. Noah est sûrement très occupé, ils ont la soirée... Ils ont la soirée au gaming ce soir en meltdown, ils ont sûrement des choses à faire. Merde. Parce que je joue le week-end. Je joue pas au con dingue de moi. Silver Spotted. Gros Silver. Eh mais je suis Silver. Je n'ai pas honte d'être Silver, ce n'est pas le problème. Je n'ai jamais prétendu être une pro-gameuse ou quoi que ce soit. Je joue vraiment juste par plaisir parce que le jeu est sympathique. Je le sens pas, je le sens pas, je le sens pas. Oh putain de merde. Et voilà, et maintenant c'est la merde pour moi. No, please! Leave me alone, bitch. Oh putain, hop! Oh. Leave me alone. Oh, sérieusement. Pourquoi il a fait ça? Quoi, sinon quoi? Il veut quoi, lui, à faire le show? Je te tue. Ah ouais, t'es un mec comme ça, toi. N'empêche que si t'avais pris Abra, t'aurais pu faire téléporte et te casser. Il est vrai. Je prendrais en compte le fait que Abra est un personnage fortement intéressant dans ce genre de situation. Je sais même pas à quoi ça sert d'acheter des objets. On va attendre les 20 minutes et c'est fini, quoi. Donc, comment allez-vous, chers viewers? J'espère que vous passez un bon moment. Moi, en tout cas, je m'éclate. C'est une dame des Pinkwards. Non, j'étais chez les Nanashore il fut un temps. J'ai quitté les Nanashore en novembre, quelque chose comme ça. Et depuis, je stream donc depuis la semaine dernière chez OGaming. Et voilà. Chat, tu as de la famille en commun avec MV? Absolument pas. Pas du tout. On ne se connaît même pas avec Monsieur MV. Enfin, on ne se connaît même pas. Je l'ai croisé une fois en meltdown. Nous nous sommes salués gentiment. Et c'est tout. Je ne le connais point. Mais j'aime bien ce qu'il fait. Donc voilà. On va faire Lulu Pro Farm. Voilà. Build-toi fou la paix. Perdu pour perdre à la limite compense le manque de DPS. Oui, on peut faire ça aussi, oui. On va faire ça. De toute façon. Tu veux devenir une PGM de l'espace? Absolument pas. Pas du tout. Pas du tout. Je sais pas de devenir une PGM de l'espace. Parce que je n'ai pas décemment le niveau des PGM de l'espace. Je suis moyenne. Je suis très moyenne. Je ne suis en rien une gameuse magnifique. Qu'est-ce qu'on va prendre? Aidan. Un chat, c'est mieux qu'un bras. Personne te frappe car tu fais des yeux de chat tout mignon. Et c'est en jeu. Je suis pas sûr que ça marche. Yo! Salut, Isnogud. Chat, tu penses pouvoir réduire la queue de ton chat sur l'écran? Il gêne légèrement. Oui, c'est possible de le faire. C'est mon frère qui a fait l'overlay. Et si vous trouvez que ça... Ouais, c'est vrai que ça bouffe un peu sur le chat. Bon, après, c'est pas...
C'est pas super gênant, gênant, hein, vu que au final, c'est pas particulièrement le pire. J'ai vraiment une très très grosse queue, oui. Et bien entendu, je parle de... Enfin, vous m'avez compris, bien entendu. Oh putain. Salut les gars! On s'amuse bien, hein. C'est easy, free hello pour eux. Ah. Oh, une question esthétique. Non, mais je vois ce que tu veux dire. J'ai vu, ouais, je vois qu'il bouffe un peu. Après, c'est pas. Regardez, voilà, il y a une autre queue par ici qui gêne aussi là. Et ça, c'est de la queue de compète. Oh non. Tu stream plus Nana Shore, chat. Non, je ne stream plus chez Nana Shore. Je stream plus chez Nana Shore, j'ai quitté Nana Shore en novembre. Donc je stream plus chez Nana Shore. Ah, dommage. Il y était presque. Bon, du coup, c'était une game magnifique pour commencer. C'est la game de chauffe qui se termine en noeud de boudin. Magnifique, avec deux AFK. C'est super. Qu'est-ce qu'on s'amuse? Ouais, vous avez gagné! Bon, les reports vont pleuvoir. Oui, ça, je prends un peu à. Je prends définitivement une bonne piquette sur cette game. Oula! Pourquoi ça fait ça? Merci, c'est mieux. Alors, toi, leaving the game AFK. Bam. Et bah toi aussi du coup. Ah voilà. Désolé les gars. Ah, ça c'est fait, voilà. Super. On commence bien. Honorable opponent. Merci. Super. C'est bien gentil à eux. Ils ont eu pitié de nous. Tu fais combien de bien viewers? On va en faire autant que possible jusqu'à 18h. Donc on va lancer une custom. On va create. On va mettre un super mot de passe. Un mot de passe fortement intéressant que je vais vous donner, bien entendu. Après, ça sera. N'oubliez pas de cocher les parties privées quand vous cherchez les. Quand vous êtes dans les customs, cherchez, cocher les parties privées. Vous trouvez la partie chat du Cheshire Game. Et vous rejoignez, bien entendu. Alors. Ils sont en jeu, d'accord. Donc, le mot de passe, c'est chaton. C'est Chaton. Voilà. Donc vous êtes là, welcome, welcome. GG, très belle game. Oui, je sais. C'était un skill hors du commun. C'était magnifique. J'ai bien senti que vous étiez fortement avec de mon côté. Eh bien, c'est parfait. Allons-y. Faisons une game mémorable, s'il vous plaît. Je suis dépité par la précédente. Alors, s'il vous plaît. Enfin, s'il vous plaît. Je ne sais pas quoi jouer. Prenez comme bon vous semble. Bière le bonjour. Je parle de chat dans le chat. Voudrais-tu du au cul? Là tout de suite, non, on va faire des game viewers. Donc on va pas du au cul. C'était juste comme ça pour commencer, pour essayer de faire une belle game pour commencer. Mais malheureusement, ça a échoué. C'est des choses qui arrivent. Ah, malheureusement. Ça arrive même au meilleur, bien entendu. J'ai vu du diamant en face de moi. Non, je joue pas, je te supporte pas avec mon Ryze. Ah non, tu n'es pas là cette fois, mais comment va-t-on faire? Je sup. Ok, bah je vais aller ADC. Allons-y. Paf. Et LD. Allons-y! J'espère que nous allons vendre du rêve sur cette partie. Je suis dispo pour du cul si vous voulez. Même niveau que chat. Hard carry incoming. Je sens que ça va être fortement intéressant. En tout cas, beaucoup plus que la game précédente. En tout cas, je l'espère. Je pense que ça sera bien plus sympathique, bien entendu.
Croisons les doigts. Car, de toute façon, ça pourra pas être pire. Je pense que ça ne pourra pas être pire. Ça serait difficile de faire décemment pire. Franchement, je pense que j'ai commencé avec une game magnifique, avec un niveau de jeu parfait. Je pense qu'on peut pas faire mieux. Décemment pas. Non. Ça serait complètement impossible. Impossible. Impossible, c'est le mot. Alors, que nous ont-ils concocté dans la team en face? Essaye de ne pas jouer aussi mal que la game précédente, parce que là, c'est bon les streams de nos skills. Eh mais, l'ami, le stream est précisé que son. Si le stream était du gros skill, ça l'aurait été précisé. On aurait dit, le chat en diamant, le chat challenger, vous propose un jeu magnifique à vos yeux ébahis. Là, ce n'est pas le cas. On vous dit que ça va être de l'amour, de la haine, de tout ça, tout ça. On ne vous a pas fait de pub mensongère. C'est juste un stream détente. Et non un gros stream. Si tu veux aller voir du level, va regarder donc les pro joueurs sur Twitch. Et passe ton chemin. Tout simplement. Le stream n'est pas obligatoire non plus, hein. Il a le droit de se casser. Tout à fait, mais c'est ce que je dis. Tu n'es pas obligé de regarder le stream si le no skill, tu n'apprécies pas le no skill justement. Et comme je disais, tu peux donc passer ton chemin et aller regarder ailleurs si bon te semble, bien entendu. Car chat de légende, oui, mais chat de légende est très ironique dans le titre, il faut le savoir. Ça, c'est de l'ironie totale, un pied de nez total à mon skill légendaire, bien entendu. Peut pas y avoir E.T. des cute cats et des cute cats et du skill. Faut choisir. Des cute cats! Des cute cats! Des cute cats! Je suis perturbée par cette expression que tu viens d'employer. Cute cats. Cute cats, putain. Bon! Du coup, en face, on va se taper à la botlane un Ezreal Karma! Ezreal, et moi j'ai un Blitz, quel dommage. Bon, c'est pas grave, je suis sûr qu'on va carry. Si me Blitz me fait des grabs de l'enfer, je suis sûr que ça sera magnifique! Ok, c'est donc reparti pour une game fortement intéressante, probablement meilleure que la game précédente. En même temps, ce sera difficile de faire pire, bien entendu, comme je l'ai dit précédemment. Karma, je t'aime! Oh, c'est beau. De l'amour. Demande-lui s'il a un aimbot, ton Blix XP. J'espère qu'il a un aimbot. Ça serait parfait, ça serait magnifique. J'en serais ravi. C'est 10 viewers ou 5 viewers en matchmatching. Pardon? 10 viewers ou 5 viewers? Chat, ils sont jaloux que tu puisses stream sur OGTV. Je ne le prends. Je ne le prends pas mal, bien entendu. Don't worry. Mes chips et noix et chat ont la même manière de parler. Il ne manque que la puissance. Il faut avoir cette façon de parler pour rentrer sur Ogame. J'ai la même façon de parler qu'eux, vous trouvez? Je ne pense pas avoir un. Après, c'est peut-être des tics de langage un peu spécifiques. Pour autant, je n'ai pas l'impression de parler comme chips et noix. Enfin, après. Peut-être que je les ai. Enfin, je ne sais pas. Je les ai trop. Enfin. Je ne sais pas comment prendre cette réflexion, en fait. C'est juste qu'en stream, je parle un peu bizarrement. Je mets un ton assez théâtral à ce stream, en fait. Et c'est ça qui donne ce truc assez spécial. Parce que. Oui, bonjour, Karma. Ça lag à mort, bande de branleurs. Oui, bonjour à toi aussi, Troubal007. Enchanté. Tu parles comme un journaliste des années 50. Voilà, je me disais bien qu'il y avait quelque chose qui clochait. J'ai un ton assez spécifique. Étrange d'ailleurs. Je ne sais pas pourquoi je prends cette voix en fait. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je me pose d'ailleurs la question. Je n'ai pas encore de réponse à cette question d'ailleurs. Mais aïe.
J'ai raté un creep, non! Non! Ah, mais. Quelle idée! Super! Génial! Non! Parce que t'es folle dingue, si, ma gueule! Ça doit être ça, il doit avoir un rapport avec la folie environnante dans mon esprit, c'est probablement ça. Je ne l'explique pas sinon. Je ne me l'explique pas. Donc. Vas-y, Blitz. On va carry, t'inquiète. La dernière fois que j'ai joué avec un Blitz la semaine dernière, il a carrément fait des grappes magnifiques. Bon, il faut dire qu'il y avait un Ryze en face qui avait décidé de nous carry et de nous donner. Plein de kills en fait. Que se passe-t-il? Est-ce que le jungler est là? Qui est le jungler déjà? Kha'Zix. Ok. Ah, fuck. Ah, 16-21, super. Tout va bien. Il va les ban tous les blaireaux l'IRC, tu imagines la tanne de la backlist. Ouais, comme ça, c'est fait. Bien sûr, c'est un Ezreal, donc il se contrefou s'il le fait bien, des bans de Blitz. Mais genre, je l'ai pas eu. Super, magnifique. Oh non, oh Blitz, oh non, quel dommage. Ok. C'était un gank magnifique, nous avons fait des actions magnifiques, je crois que nous méritons grandement un prix sur ce gank. Prix du meilleur gank de l'année. Enfin, c'est pas par rapport au gank particulièrement en fait. Par rapport au fait que nous avons complètement chié sur l'interception de Karma et Ezreal. C'est pas grave, la prochaine fois on vous aura les gars. Aïe. Well, well, well. Dommage, c'était un beau grap. Dommage, dommage. Malheureusement, c'est un Ezreal. Comme je dis, ils sont contre vous. Oh, le First Blood, il n'avait pas encore été donné. What? Faut quand même être sacrément idiot pour revenir et recommencer après avoir été kick. Comme j'essaye de creeper à peu près correctement, je ne regarde pas particulièrement l'IRC. Il a dû se passer certaines choses particulièrement intéressantes. Je suis vraiment déçu d'avoir raté ça. Je regarderai un peu ce qui a été dit comme merveille. Ah, j'avais fait un beau petit zap pour ce coup-là. Dommage. Je suis sûr que c'était très intéressant. Aïe. Ce qui a été dit, s'il y a eu du ban. J'ai vu qu'il y a eu un ban massif. Il prend cher quand même le petit Ez. Je pense que nous pourrons réussir peut-être à le choper prochainement. Oh, dommage. Too bad. C'est pas ça que je voulais faire, je ne voulais pas avancer, je voulais juste balancer un zap pendant qu'il en était encore temps. Et nous avons la jungler qui va revenir. Je te trouve très belle, même, tu es vraiment jolie, on se ressemble un peu, c'est drôle.
Génial, super. Ah, dommage que je n'ai pas encore le 6, malheureusement. On se ressemble, dis-tu? Eh bien, écoute, tu m'enverras une photo de toi sur mon Facebook. Nous comparerons cela, si tu veux. Si tu dis que je te ressemble, je veux voir ça. Pic or it didn't happen. Comme on dit. Merde. Cassons-nous. Il en est où niveau creep? 42, 48. Oh, je l'ai rattrapé au creep, tout va bien. Israël se mange le contre-offensive palestinienne. Je pense que nous ne sommes pas complètement perdus dans cette. Je pense que nous avons nos chances dans cette rencontre. Ils sont chauds sur le chat, il y a de l'ambiance. Je ne sais pas, malheureusement, c'est très perturbant quand je suis en ADC, malheureusement, j'ai pas tout le temps l'occasion de regarder beaucoup le chat à cause des creeps, parce qu'il faut essayer de creeper un minimum bien. Donc du coup, je suis perturbée. Alors ça s'insulte de tous les côtés, c'est très. Il y a des quolibets qui partent dans tous les sens, c'est magnifique. C'est beau. Ça fait rêver, ça donne envie. Voilà. 52, 53, tout va bien. Une étude sociologique à faire sur ce chat. Je pense que ça pourrait être très intéressant, oui. Je propose que ceux qui sont motivés me fassent une recherche là-dessus, à ce niveau-là, pour la semaine prochaine. Excusez-moi. Je pense qu'il y a de quoi faire, je suis d'accord. Mais pas que ce chat, malheureusement, il y a de tout partout. Et je pense que tu devrais faire une recherche plus générale sur les chats de stream en général, d'ailleurs. Ça serait plutôt intéressant. Oh! Ah! Ah, dommage. J'étais pas du bon côté. C'est juste une horreur, l'IRC. Je suis venu 3 fois, j'ai vomi. Malheureusement, l'IRC, il faut faire avec. Et c'est ça aussi la magie de l'IRC, c'est que tu trouves de tout. C'est comme dans la société. C'est pareil. C'est ça, c'est la magie de l'IRC. Malheureusement, il faut faire avec. Ouh là là. J'aimerais bien que Karma se décale, ça aurait été parfait, j'aurais balancé un ulti, mais malheureusement là, je vais avoir du mal. Je suis retourné en plein dedans. Fuck my life. Enculé de fils de pute, de grosse salope de merde, je vous baise tous vos grands-mères, je te viole ta grand-mère, salope. Mec! C'est bien, c'est cool. Je pense que tu as quelques soucis. Pour venir cracher autant de haine sur ce pauvre chat. Mon Dieu. Je suis presque triste. Tu n'as pas flash dans l'ulti. Ah oui, c'est vrai que la semaine dernière, j'avais fait un magnifique flash en plein milieu d'un ulti d'Ezreal. Bah, d'ailleurs, la même chose. Là, j'ai réussi à l'éviter. Je pense que je m'améliore. Je m'améliore. Je pense que je m'améliore en matière de sauvetage in extremis.
Pourquoi le chat te représente? Pourquoi le chat me représente? Pardon? Je ne vois pas de quoi tu parles. Pourquoi le chat me représente? C'est what? Ah. Ah. Elle prend tous les creeps, Karma. Elle a tout piqué. On sent beaucoup de frustration, c'est l'approche des brevets blancs, sûrement. Je pense que ça doit être ça, oui. Il doit y avoir un rapport entre les brevets et les gens insultants sur l'IRC. Je ne comprends pas l'intérêt, en fait. De toute façon, c'est... Ah, mais... Stop! Trop de poke sur cette lane! C'est vraiment très très agaçant, Karma. Bon, c'était bien joué, Blitz. C'était un très beau grab. Nous avons pu faire un kill plutôt sympathique sur le Ezreal. Je sais pas si on aura la karma. Ça m'étonnerait grandement qu'elle fasse la folle. C'est la copine de Chips? Absolument pas, non! Ce n'est pas la copine de Chips, non. Je suis juste amie avec Monsieur Chips. Je ne suis pas sa copine. Il y a Kha'Zix, il y a Kha'Zix, il y a Kha'Zix. Oh mon dieu, il y a aussi elle là. Eh ben c'est la rencontre en botlane! Déjà, on a déjà joué HAP pour le fun. Bonne question, je ne sais pas. Autocensure, magnifique. Trop de la balle, effectivement. Oui, car elle sentait la douleur. Joues-tu à d'autres jeux? Je joue à d'autres jeux, oui. Hearthstone, plus particulièrement, ouais, mais je suis très mauvaise à ce jeu. Je rage beaucoup. Enfin, très mauvaise. Tu peux pas être très mauvais à Hearthstone, disons que. Disons que je rage plus que je n'apprécie au final. Ou la roucoulette, la roucoulette, la roucoulette. Roucoulette, c'est pour Diana. Tu n'as jamais fait de handball, toi. Ah, je n'ai jamais fait de handball, moi, personnellement. Nope. Jamais. Donc, roucoulette, ça ne me parle pas. Sinon, tu as trouvé ton mec CF l'horoscope. Non, je n'ai pas trouvé le mec. Mon horoscope a menti. Les horoscopes, c'est de la merde. Mais c'est rigolo. Mais bon, ils ont dit que c'était dans la semaine, je crois. Il faut être 10 pendant la semaine. Aïe. Dommage, c'était un beau grap. Tout le monde joue à ce jeu pour effet de mode. Non, c'est pas une histoire d'effet de mode, j'étais sur la bêta parce que j'ai joué beaucoup à World of Warcraft, donc je voulais voir ce que donnait le jeu de cartes de Blizzard. Et que je joue de temps en temps à Magic, même si je suis aussi très mauvaise. Allez, magnifique! Qu'est-ce que tu veux, toi? C'était magnifique, Blitz! Un grab de génie! On l'aura pas, hein, les gars. Hein. On l'aura pas. On ne l'aura pas. Oh putain! Non, non! Il est sous ulti là, ça sert à rien de toute façon. Aïe, 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 aïe. Oh, oh, ah!
Bon! Ça a fini en quoi cette histoire? 4 pour 2. C'est pas très très bon. Même pas du tout. Je co-play avec des copains. Bon amusement le chat. Courage avec ce chat. Merci! C'est bien gentil à toi. C'est l'heure du duel. Cette Diana est encore là, hein, les amis. Crois mon expérience oculaire, il y a quelque chose de louche. Ah merde, je suis carrément super loin. Est-ce qu'ils vont l'avoir? Est-ce qu'ils vont l'avoir? Oh, le shutdown de Blitzcrank! C'est dommage que ce soit Blitzcrank qui a pris le kill, du coup. Bref, comment s'en sort la Karma? Je vais aller les aider un peu. Oh, il est où? Il est où? Il est où? Ah, ce serait magnifique que je puisse lui envoyer un petit ulti dans la tête, mais ça va pas le tuer si je l'envoie d'ici. Oh, je voulais l'assist. Je ne l'ai pas eu. Je suis déçu. Yu-Gi-Oh! Niveau du play, c'est vraiment sympa. J'ai pas du tout joué au jeu de cartes de Yu-Gi-Oh! Donc je ne sais pas. À part le dessin animé que j'ai dû voir. J'ai dû voir quelques épisodes, mais sinon, voilà. Alors, vieille branche. Oh, putain, putain, faut que j'arrête de lire le chat alors qu'il se passe des choses. Très mauvaise idée de lire le chat. Et AFK sur la map. Bon, on s'en sort comment? 7-6 pour le fizz, 0-4-5 pour la vie, 1-3-4, 3-3-1, 0-2-1. Ah, la Diana est complètement feed, le Kha'Zix aussi. Ça, c'est embêtant par contre. Ça risque de poser problème à un moment ou à un autre. J'adore la déconcentrer. Vous trouvez ça drôle, hein? J'essaye de suivre le chat, malheureusement ce n'est pas possible de tout faire en même temps. Je suis très mauvaise à faire plusieurs choses à la fois. Pourtant on dit que les filles savent faire plusieurs choses à la fois, mais c'est faux! Enfin c'est faux, pour ma part en tout cas. Je suis complètement nulle à ce petit jeu-là. Par contre... Oh le shutdown qui arrive, oui! Est-ce que ça vaut le coup? Mais loupé! De toute façon, il était sous ulti. Je ne l'aurais pas tué. Je vais continuer avec des phrases de Chevalier du Zodiaque, la série abrégée. Yes. What the fuck happened? Alors, j'ai juste vu un ulti qui est passé, genre. Magnifique. Il était très beau. Ça a attrapé le fils au vol. J'ai juste arrêté de lire le chat tout court. Mais si je ne lis pas le chat, il n'y a aucune interaction, ce n'est pas drôle! Aucun intérêt de ne pas lire le chat. Come back, baby! Allez, magnifique, très beau catch! Bravo les gars, c'était beau. 6-3, je remonte complètement, c'est magnifique! Ah, c'est beau. Je me fais carrément carry, les gars. C'est beau. J'aime ça. Question à la con. Comment on sait que Mundo est sous ulti? Comment on sait que Mundo est sous ulti? Bah, tu le vois. Il y a son ulti qui est... Tu vois, comme quand tu vois ici la Sunfire Cap, tu vois qu'il est sous ulti. Tout simplement. LOL change pas, tu veux de l'or. Non? Quoi? Non, c'est l'heure du tas. Il y a un rond jaune dessous. Oh, 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 oh. Non, c'est pas les boules de feu. Les boules de feu, pardon. Le public de O-Gaming est de pire en pire. Ah bon. C'est bon, c'est bon. Ne t'inquiète pas, fils. J'étais dans les temps.
J'avais vu qu'il y avait du monde à côté, mais tout allait bien. Il enchaîne comme un porc, il court comme un mongol, plus que d'habitude. C'est bien de le préciser. Et il y a une animation, tout à fait, c'est ça. Il y a une animation qui fait qu'il régène les points de vie. Enfin, tu sais, enfin, quand tu l'as déjà vu, normalement tu fais. Tu le vois. Magnifique! Aïe! Fais gaffe à l'ulti de Ezreal, mon cher petit fils. Tu risques fortement d'y rester. Faut faire le tour! Tellement agaçant! Tu vois, regarde, en fait, ça lui fait une aura jaune au-dessus de lui, tu vois, regarde. Ça lui fait une aura jaune et plus ça fait plus 63, plus 64, plus 63, plus 64. Donc en fait, tu vois qu'il est sous-ulti à ce moment-là. Voilà comment tu sais qu'un Mundo est sous-ulti. Il y a son aura jaune autour de lui. Et puis il y a même un bruit assez particulier à l'ulti qui fait. Enfin, un truc du genre. Ah, dommage. Attention! Oh! Aïe! Heureusement qu'il avait son bouclier de mana! Aucun intérêt ce chat, que des trolls ou des puceaux qui savent plus. Kikik. Allez, je vous laisse entre bouffons. Je passe en full screen. Je suis public au gaming depuis 3 ans et je t'emmerde, gros con. Faut pas faire des généralités, bien entendu. Mais malheureusement, en fonction de ce qui se passe, tu ne peux pas éviter malheureusement les trolls, quels qu'ils soient. C'est pas au gaming en particulier, ça peut être n'importe quel chat de n'importe quel stream. Malheureusement, ça c'est des choses. Après, c'est inévitable. Et à ce moment-là, eh ben, vous n'êtes pas obligé de vous connecter sur le chat. Mais après, le fait est que si vous avez des questions à poser ou des choses, etc., eh ben, vous êtes malheureusement un. Enfin, vous pouvez être sur le chat sans pour autant le lire complètement, et si vous avez quoi que ce soit comme question à poser, ou comme réflexion à faire, un minimum intéressante, bien entendu, il faut préciser, eh bien à ce moment-là, vous pouvez vous le permettre. Comme ça, vous évitez de lire les trolls. Moi, je vous les lirai, je vous dirai. Regardez-le, ce con. Il est en train d'insulter ma mère, mais tout va bien. Je le prends bien, je le prends à la rigolade. Franchement, c'est quelque chose qui ne m'atteint vraiment pas. Mais alors, pas du tout. Donc, je le prends. Il vaut mieux en rire, comme on dit. Sauf mon chat, car je. Car je kick pour le motif le plus simple qui soit, si tu n'es pas une jolie fille. Si je ne suis pas une jolie fille, tu m'aurais kick? C'est ça que tu dis? Je n'ai pas compris ta phrase. Eze! Ah, il y a Diana là-bas. Y'a Mundo derrière. Oh, magnifique. Touché! Ah! Où suis-je? Ah, je suis là. Excusez-moi. Le nom de chat. Pourquoi faire statique à la place de danseur fantôme? Par simple choix de préférence personnelle. J'aime bien le statique. Après, je suis très mauvaise en théorie craft, toutes ces choses, donc. On m'a dit, il était joli l'item, donc je l'ai pris. Lol. C'est un peu ça en fait. Merde. Oh! Ah, c'est bon, elle s'en sort. Tout va bien, nous nous en sortons sains et saufs. Cassos! Chat de Cheshire ou chat de Cheshire pour le nom du chat. C'est chat du Cheshire. Du Cheshire. Genre, comme si c'était un peu ma contrée natale, vois-tu? Quelque chose comme ça. Salut, c'est quoi le but de ton émission? Je veux dire rank game viewer. Sinon, continue comme ça, c'est plutôt sympa. Merci, c'est bien gentil à toi. Le truc de l'émission, c'est. Parfois, je vais faire un peu de ranked, mais bon,
en fonction de... Voilà, parce que la ranked, malheureusement, ça... C'est pas drôle si ça... Genre, tout à l'heure, j'en ai fait une, et il y avait de l'over, et j'ai fait de... on a fait de la merde. Et du coup, ce n'était vraiment pas très intéressant à voir. C'était plutôt déprimant, même, pour commencer un stream. C'était plutôt badant. Du coup, tout dépendra de la motivation du moment, mais surtout, ça sera beaucoup de game viewer, interaction avec les gens. Game viewer, on pourra faire des games à thème, des choses, des machins, commencer à trouver des interactions entre le chat et enfin les viewers, le chat, etc. et moi-même. Ça sera surtout à ce niveau-là. De la bonne humeur, du fun, lol lol lol, on va bien s'amuser. Ho ho ho. Diana! Elle s'est cassée, elle est loin. Elle est loin, la petite! Qu'est-ce qu'on fait les gars? Qu'est-ce qu'on fait? Quelle est la prochaine destination? Que penses-tu d'Eclipsia? Écoute, je n'ai pas grandement d'avis à donner sur Eclipsia. Je n'ai rien contre Eclipsia. J'ai même beaucoup streamé chez eux en tant que Nanachor et avec un stream que j'ai personnel perso. Donc Eclipsia, ça marche bien. Écoute, ils font ce qu'ils peuvent pour ils font enfin ce qu'ils peuvent. C'est pas vraiment le mot. Oh, slain un ennemi magnifique! Cham est de la bonne humeur dans les game viewers. Tout à fait! J'espère, en tout cas. Oh, c'était magnifique! J'ai sauvé mon blitz! C'était beau! C'était beau! J'avoue être venu par curiosité. Eh bien, j'espère que tu es surpris et amusé par ce stream magnifique que je présente, je pense, avec panache. Je crois que c'est le mot. Merde, j'aurais pas dû les vendre, je ne peux rien acheter pour le moment. À part si je pars tout de suite sur un ange gardien. On va partir sur un ange gardien. Après, je pense que oui, les boobs, ça aide. Et on ne voit pas mes boobs! C'est pas comme si je montrais mes boobs! Sans vouloir offenser. Mais je ne suis pas offensé, bien entendu. Tout va bien. Je ne le prends pas mal. Quand on lisse. Ok, nickel, cool l'habillage, mais cette queue de chat me perturbe en full size sans mauvais jeu de mots. Je comprends tout à fait. On m'a fait la réflexion tout à l'heure aussi, de savoir s'il serait possible de remanier un peu l'overlay pour peut-être raccourcir un peu la queue. On parle de queue, lol lol lol. Tout le monde. Ah, mais ils sont à la base ennemie, ils sont en train d'assiéger la base! Quel est le nom de chat du chat derrière toi? Ah, elle c'est Shenzi. Ça c'est Shenzi. J'ai deux chats, Shenzi et Yoda. Vous allez jamais me croire, je viens d'acheter Riven Land du Dragon grâce à cette vidéo. Ah tiens, de la pub mensongère! Bref. Le Blitz a trop de chance deux fois à 50 HP. Je pense pas qu'il ait trop de chance, je pense que c'est une question de skill. Tu es mort. Hop là. That name. Et oui, je trouve que mes chats ont des noms particulièrement recherchés et particulièrement hilarants. Oh putain. J'y ai cru pendant un moment, Blitz. Vie à deux Nashor. Quoi? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Aïe. En philosophie, on appelle ça le phénoménologie, c'est ça que tu dis? On ne voit pas tes boobs, mais on sent que tu en as car tu es une fille. Oh! Je pense que ta déduction est pas mal. Sachant que je suis une femme, je suppose qu'on a des boobs. Malheureusement, tu te trompes! J'en ai très peu. Mais bon, je le vis bien. Je m'y suis habituée. Je peux dormir sur le ventre, tout ça, c'est cool. Je le vis plutôt bien. J'en suis contente.
façon, je suis bien obligé de faire avec. Diana est hors de contrôle. Hors de contrôle. Hors d'état de nuire. Oh, je ne l'ai pas eu. Quel dommage. Bon, je crois que la game est gagnée. C'est GG. Merci les viewers de m'avoir carru complet. C'est encore un blitzcrank comme la semaine dernière qui a fait carrément le taf. Il est vrai qu'on a eu quelques soucis avec la lane pokey qu'on avait en face. Mais bravo. C'est du beau jeu. C'était magnifique. C'était apocalyptique. J'ai vu 2 minutes de game. Tu as tout raté. C'était une game magnifique. Je pense que le niveau était au rendez-vous. Tu as raté quelque chose. Bien joué. GG. Ha. Il est 17h10. Je vais vous faire une petite page de pub. Car il faut faire un peu de pub. Et on se retrouve tout de suite après pour continuer. Si vous voulez, je sais que vous aviez proposé la semaine dernière un Ultimate Bravery, donc si ça vous tente, on fait un Ultimate Bravery juste après la pub. Donc on se retrouve tout de suite après la pub. À tout de suite. Pardon. Donc, comme j'ai proposé, si ça vous dit, sinon on fait un catch Timo. Alors, il est 17h16, nous avons encore jusqu'à 18h. Si ça vous tente, on peut faire un catch de Stimo en 3 manches, je pense, quelque chose comme ça. Alors, qu'est-ce qui vous plairait le plus? Un catch de Timo, un Ultimate Bravery ou autre proposition indécente? Catch de Timo, on a du catch de Timo. On va peut-être faire un catch de Timo. On en a rien à manger à de te mettre au centre du monde. What? Je n'ai pas suivi le reste en relançant le stream, de quoi vous parlez? Un strip Timo! Un strip Timo, tu veux déshabiller Timo? Je ne vois pas l'intérêt, c'est une boule de poils qui rigole. Enfin, je veux dire, c'est le fils de Satan. Quel est l'intérêt? Je ne vois pas l'intérêt. Bon, on va dire catch de Timo. Catch de Timo! Donc on va faire ça en Crystal Scar. Donc un Timo dans chaque équipe, et bien entendu, on va faire en sorte que le Timo n'est que... Le Timo n'attaque pas. On va mettre un mot de passe, genre très très intelligent, comme d'habitude. Voilà, un super mot de passe. Donc, tu ne me manques pas de respect, strip Timo, what? Ton PC va cramer, connard. Calmez-vous. Le mot de passe, c'est GG. Gros mot de passe, je ne sais pas, c'est la première chose qui m'est passée par la tête. Donc, si vous voulez rejoindre, n'hésitez pas, on va faire un catch de Timo, et on va passer directement, alors, ok, super, donc, faudra que vous vous mettiez d'accord sur qui fait le Timo, qui joue le Timo, et après, qui fait le reste, bien entendu, qui fait les autres. Donc, le Timo n'attaque pas, juste il court, le Timo, je ne sais plus s'il y avait des règles spécifiques en plus, là, comme ça, je ne les ai pas en tête. Allô chat, salut maudit, comment ça va? Donc voilà. Hop, c'est parti. Déjà, qui veut faire Timo dans ma team? Voyons voir. Qui va jouer le Timo? Je peux faire le Timo, à part si quelqu'un d'autre veut faire le Timo. Peu importe. On a un Ryze magnifique. Sinon, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Je ne sais pas. I ain't Timo. Vas-y, je prends Timo alors. On va prendre movement speed et on va prendre un... Qu'est-ce qu'on va prendre? Ouais, de toute façon, on verra bien. C'est parti. On va partir sur le Cottontail Team. C'est parti. En gros, il n'y a qu'à courir dans la fontaine. Mais non, on reste pas dans la fontaine. Les Timo n'ont pas le droit de back. Je pense pas, c'est pas drôle sinon. Je vois pas l'intérêt d'un catch de Timo si on peut back. Donc il n'y a pas de back de Timo. Timo est juste en train de courir, de runner et d'essayer de sauver sa vie.
toute façon, il y a la potion à 250, non? Un tank, c'est mieux? De quoi? Ah, c'est ça qu'il dit. Tu as mis combien de thunes pour avoir tous ces persos? Les persos, je les ai pas achetés, je les ai achetés avec des pays. C'est les skins, par contre, oui, j'en ai pas mal de skins à la con. Ah, nanana. Mais bon, quand tu gagnes des sous et que tu gagnes ta vie, malheureusement, tu peux dépenser tes sous comme bon te semble, même dans des conneries pareilles. Je n'en suis pas très fière, bien entendu, mais ce sont des choses qui arrivent, malheureusement. J'ai été tentée par le diable. On peut tuer les autres qui ne sont pas Timo. Oui, bien sûr, vous pouvez vous entretuer entre vous dans les équipes, bien entendu, si vous chopez. Mais bon, le but étant de tuer dès qu'un Timo meurt, on recommence la manche, on back tous à la base, et c'est reparti pour les Timos. Au début, il faudra laisser 30 secondes, 1 minute d'avance au Timo, histoire qu'il se casse. Et après ça, enfin pas 1 minute quand même, mais on va dire 30 secondes d'avance au Timo, histoire qu'il ait le temps d'aller se cacher quelque part. Et après ça, vous pourrez sortir de la base et aller chercher le Timo adverse, bien entendu. Donc voilà. Et voilà. Personne ne pourra rattraper le chat car chat s'en va et chat revient. Waouh, Aidan, franchement, ce jeu de mots est collector. C'est quoi mon icône d'invocateur? Mon icône d'invocateur, c'est l'icône du Nouvel An chinois de l'année dernière. Quand tu avais eu toutes les petites icônes du Nouvel An chinois, et bah t'avais la dernière icône qui était le Papi Mojo que j'ai là. Donc voilà, ça c'est la dernière icône que tu pouvais avoir en ayant eu toutes les autres petites icônes à la con, en ayant fait ceci, cela. Et voilà. Et t'avais donc le Papi Mojo. Et voilà, ça date de l'année dernière. J'ai commencé il n'y a pas longtemps et je trouve que ça en met du temps à avoir les pièces. De quoi parle-t-il? T'écoutes quoi comme musique? J'écoute de tout et n'importe quoi. Après, tout dépend. Alors, si je vais en soirée, si je sors, c'est plus des soirées drum and bass. J'ai un grand dilemme avec Chips, qui est lui très techno. Il a craché d'ailleurs dernièrement, je crois que c'était jeudi soir, sur la drum and bass, ce salaud. Ce saligo, pardon. On n'a pas employé les mots durs pour ce pauvre Chips qui est perdu dans la techno. Après, je ne dis pas, j'apprécie la techno de temps à autre, bien entendu. Nous sommes très opposés sur le sujet. Et donc du coup c'est plus moi je suis plus drum and bass et après niveau son à écouter comme ça chez moi je suis vraiment assez c'est large, ça va de la chanson française au rock au métal et toutes ces choses-là au son complètement commerciaux et inaudible. Ok, attendez, je n'ai pas changé la scène, voilà. Ok, parfait. Ok, commencer comme ça. Je sais plus si on a le droit de prendre des potes. Je crois que oui. Je ne sais plus. Est-ce qu'on a le droit de prendre des potes? T'es plus choucroute ou cassoulet? Franchement, je dirais choucroute. Largement, même. Ah, j'ai le droit de prendre ça. Ça peut être intéressant pour me sauver la life. Faut max quoi avec Z? Ah, en fait, ça sert à rien. Ok, laissez de l'avance au Timo le temps qu'on se casse et après vous pourrez bouger de la base. Elkan League of Legends. Il est pas techno, il est électro, c'est pas pareil. Si, si, il est techno. Il est techno. Il est carrément techno. Techno-électro, bah ça se recoupe hein, au final, toutes ces choses. Le Timo court toujours. Oui, le Timo ne s'arrête pas. Le Timo court toujours. Oui. Il va y avoir du stream hack. Il va tellement y avoir du stream hack, les gars. Coucou, Timo. J'ai été vu par le Timo adverse. My god. J'ai peur. I'm afraid.
les amis. Oh my god. Oh my god. Ils m'ont vu. Non, la techno, c'est le truc merdique des années 90. Merdique? Mais la techno, c'est sympa, les gars. Go, les gars, attrapez le Timo. Moi, je cours. Je vole. Je ne m'arrête pas. Drum and bass, ça envoie du lourd. Je suis carrément beaucoup plus drum and bass. Oh, coucou Timo. Il est là. Il est là. Il est là. Help. Ranier. Help, les gars. Au secours. J'ai un chaco aux trousses. Qu'est-ce qui se passe? Fais gaffe au chaco. Oui, j'ai vu le chaco. Putain. Je suis là. Les gens s'entretuent, quoi. Je reste avec toi. Ah non! Moi, ok. L'électro c'est sympa, la techno c'est merdique. Chacun ses goûts, hein, l'ami. Chacun son truc, chacun sa route, chacun son chemin. Vous ne m'aurez pas. De what, qui s'y dit? Plus ou moins 0,15? 0,15 quoi? Quelle est la question de base? Si je vous trouve le Timo, je vous le dis. Ah, oh, je l'ai vu, il est passé par là. Ouais, je l'ai vu. Je l'ai vu, il était par ici. Il est là. Merde, excuse-moi, excuse-moi, pardon Timo, j'ai pas fait exprès de te frapper. C'est l'auto-attaque qui est partie. Je l'ai trouvé, il était là, les gars. Il est là, il est là. Ramus. Go, Ramus, go. Oh putain. Il est là! Il est là! Hé, hey, l'ami, où vas-tu? Whoop! Putain! Oh putain, non! Fuyons, camarade! Oh, je m'en sors! Non, je m'en sors! Allez! Je le sens très mal, mais je m'en sors. Il y a le Timo là-haut. As-tu déjà entendu Luigi's balade? Nope. Ah, il y a Timo qui est là. Oh non, il est là aussi. Aïe. Je me casse. Wouah! Non! Un point pour l'équipe rouge! GG les gars! Et go back, hein, les amis! Go back les amis. Qu'est-ce que qu'est desk Puco et quand bien même on le fait, tu crois qu'ils vont nous? What? Z a tué le Timo. C'est Z qui a tué Timo? Il a tué le Timo d'en face aussi? Ah, j'avais pas vu. On a un point aussi. Je l'avais pas vu. Donc du coup, je me casse. Yes, go. C'est parti les amis. Allons-y. C'est le parti. Un point partout en fait. Je n'avais pas vu. Il y a eu la mort du Timo en face, je n'avais même pas fait attention. C'est quoi le but là? Pourquoi ils prennent pas les points? Parce qu'on est en mode catch de Timo! Tu es un pauvre petit Timo, tu cours dans la jungle apeuré, tu sais que tout le monde veut ta mort. Et du coup, tu cours, tu cours, tu cours et tu ne t'arrêtes pas. Tu n'as pas le droit de t'arrêter. Et merde, j'ai pas repris de... Oh putain, je suis con, j'ai pas repris d'objet. Putain. Et du coup, le but de la team en face est de t'attraper. On va s'arrêter aux 3 points. Oh putain.
Le Timo n'a pas le droit d'attaquer, c'est juste vraiment du catch and run. Putain, il y a du monde par là. Il y a le Timo. Tout va bien. Mes amis sont là pour me protéger. Tu peux te rendre invisible ou c'est hors-jeu? Ouais, c'est hors-jeu, tu te rends pas invisible, pour ça tu ne t'arrêtes pas en fait. Parce que sinon le passif de Timo fait que c'est impossible, tu le trouveras jamais quoi. C'est pour ça que t'as pas le droit de t'arrêter. Oh, y'a le Timo qui est là! Les gars, il est là! GG, go back! Deux pour un. Un race de qualité! On va attendre que le Timo revienne déjà. Merde. Quand Timo re-go. Ok, c'est reparti! Oh, mais j'oublie d'acheter des objets, putain! Mais je suis trop stupide! I'm so stupid! Asseb Jobs, mais oui, bah j'ai oublié! Merci! Je suis concentré sur le go! C'est parti, allons-y! Putain, je suis trop con! Merde! J'ai encore oublié! Ah, il y a des box! Ah. Ils sont tous bots, je ne vais pas y aller. Je vais rester par ici. Oh putain! Merde, je suis repéré! Les gars! C'est bon, il ne m'a pas suivi. Je l'ai feinté! Oulala. Il y a le Timo qui court par là-bas. Le Timo du bois joli. Tu sais, Timo, t'es un peu dans la merde en passant par là, parce qu'au final, il te voit carrément quand tu passes là-bas. Le Timo est là! Go, les amis! Go! Voilà, je crois que ça va être une win pour ma team. Pauvre Timo. GG! C'est une win, une grosse win pour notre team. Merde. Rise de qualité! Hop! Oh, ça servait à rien d'acheter un oracle parce que normalement il n'a pas le droit de s'arrêter. Je kick tout le monde pour avoir dit kick. Xavier kick by what? Achète maybe. Vous voulez qu'on fasse sur les. Vous voulez qu'on fasse un, sur 5 points du coup? Parce que du coup ça va être un peu, c'est un peu short. Merde. Mais qu'est-ce qu'ils font les gars? Pourquoi vous êtes toujours en train de vous entretuer? Les mecs s'amusent quoi. On fait sur 5 manches si ça vous va du coup. Ah, je vais acheter des objets en y pensant. Movement speed. Ah. Alors, on va prendre ça. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Bon, pardon, on y va. Go. Okay. Pardon. Excusez-moi. J'ai pris le temps de m'acheter un objet. Skill shot de Timo. Je donne raison au viewer, il doit désormais être satisfait. Tu joues avec ta vie, là. Je joue avec ma vie? Pardon? Quoi? Je kick tout le monde. Fais un full zèle. Je pense que je vais faire un truc dans le genre, là, en tous les cas. De toute façon, j'ai pas le droit d'attaquer, donc je peux juste prendre des objets en mode... Vite. Ah, il y a le Timo qui est là-haut! Les gars, il a été repéré! Tous en possession! Je l'ai vu, il était là. Il est où? Il est là. Non, ça c'est... Ah merde, ça c'est pas un pote, ça. Zut, des flûtes. Oh merde. Salut Timo. Coucou. Je cours avec toi. Reste. Tu es mon ami. Ah merde. Timo. Ah. Oh mon dieu, la box! Oh mon dieu, non! G!
GG Gobak, ça fait 3 à 2. Alors, prendre des ailes. Alors, Igue, c'est reparti. Mushroom, c'est pas attaqué. Non, je crois pas qu'on ait le droit au mushroom. Il me semble en tout cas qu'on n'ait pas le droit au shroom. Si je ne dis pas de bêtises. Bah, ça serait relou quand même. Bah, c'est le truc étant qu'on n'a pas le droit de tuer en tant que Timo. Donc, si un shroom après prend les kills, ça va être embêtant. Ah ah, il y a Timo qui est là aussi. Je crois qu'ils ne m'ont pas vu. J'ai feinté. Ah mon dieu. Ah là 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 là. Il y a Shaco qui est là. Il y a du monde par ici. Stop les gens. Quoi? On a win? Ah oui, je l'avais pas vu. Bah, il faut back. Il a été attrapé, votre Timo. On a tué Timo. Personne ne fait attention. J'en dis bah, les gens, go back. J'ai même pas fait gaffe non plus. Pas vu. Non, j'avais pas vu non plus. Ces mots non plus, j'avais pas vu. Donc 0 à 4, c'est la dernière manche. Enfin, c'est la dernière manche pour le Timo d'en face. Hop, c'est parti. Et les objets actifs, genre ombre jumelle. Je pense qu'ombre jumelle, t'as le droit. Parce que par exemple, j'ai pris le comment ça s'appelle, le talisman d'ascension. Donc du coup, tu as le droit. Tu as le droit tant que c'est du mouvement de speed et que de toute façon tu ne fais pas de kill et que tu continues de bouger, tout va bien. Faut bien que tu réussisses à t'en sortir un minimum quand même. Le but étant que tu ne te fasses pas attraper, tu as le droit de prendre des objets pour te défendre d'une certaine manière. Sinon, t'es un peu quand même dans la merde très vite. Timo, où es-tu? Je vous aide, je cherche le Timo. Si je le vois, je vous le dis. C'est pas sympa pour les deux points. 0-4, enfin presque. Enfin presque? Presque quoi? On n'a pas aperçu le Timo encore. Où est-il, ce coquinou? Putain. Non, c'est pas moi. Je suis pas là. J'étais au cinéma. Putain, il se cache bien. Il est où, le... Il est où, le bâtard? Vous l'avez pas vu encore? Oh putain. Pas passé par là. Je crois qu'il m'a vu. Je crois qu'il m'a aperçu. T'as dit 0-4 pour le score. 0-4, j'ai dit ça? Ah mais non, pardon. 0-4, enfin, quand je dis 0-4, c'est quand je dis le score de Timo en face. C'est ma langue qui a fourché. Mais non, ils sont à 4 morts, donc du coup ça fait 2 points pour 4. En gros. Mais où est le Timo? Vous l'avez pas vu, vous? T'es pas invisible, au moins, j'espère, Timo. Il a pas AFK, sinon? J'ai pas croisé Timo, encore. Vous l'avez vu, vous? C'est étrange. Où est-il parti se cacher? Je l'ai vu nulle part, le Timo. Il est vachement bien caché, quand même. Genre, on l'aurait jamais croisé. C'est étrange. Oui, je pense qu'il y a un Timo caché quelque part. Enfin non, ou alors on l'a juste pas croisé, il avance tout le temps. Il avance tout le temps là. Oh mon dieu! Oh mon dieu! Oh mon dieu! Je m'en vais! Je cours, je run! Tu ne mourras pas! Mais Timo, faut rester dans la jungle, faut pas que tu ailles te cacher dans les points. Faut que tu restes dans la jungle en fait, mon cher Timo. Faut pas que tu ailles au niveau des points de contrôle. Ah mon pied. Bah non, il a pas le droit de rester là-bas. Il faut qu'il reste dans la jungle en fait. Au secours les gars. Ouch. Oh non, Timo, coucou. Salut Timo.
Les miel. Ah, c'était tellement difficile. Oui, il a pas le droit d'être sur le bord. Il faut qu'il reste dans la jungle, sinon c'est galère. Tu vas devoir aller faire tous les bords, savoir où il est. C'est galère. Faut qu'il reste dans la jungle. Enfin dans la. Oh putain. Elle m'a vu. Au secours. À l'aide. Attendez, je crois que je vais allumer la lumière parce que je crois qu'on ne voit plus rien. Je vais allumer la lumière. Tout ah, vous avez eu le petit mot d'en face aussi? 0,5. Ah oui. Maintenant, on finit la game. Maintenant, on peut finir la game. C'est une victoire pour la team bleue qui est la mienne. Je me suis moins fait attraper que le team en face. C'est GG. Maintenant, vous pouvez capturer les points. De toute façon, il faut finir parce que sinon, il faudrait tout quitter. Et c'est un peu. Bon, je vais peut-être revendre mes objets du coup. Et passer en AP. Histoire de finir cette game magnifiquement. Sur un. Allez, c'est parti. Maintenant, on peut rejouer normalement. Que se passe-t-il? Ah. Victoire du chat de légende, tout à fait, les amis. Et du coup, on a pris beaucoup d'avantages. Oh putain, le Gragas qui est à 10-0-10. 1, 2, 3, 4. Je vais poser des champis maintenant. Je ne vais pas me gêner. Oh, il y a Chaco qui essaye de prendre notre base. J'arrive. Oui, sinon, c'est comme vous voulez si vous n'avez pas envie de jouer. Ça ne fait pas très mal, je crois. Parce que j'ai pris des masteries en mode rien à foutre. J'ai pris des masteries toutes pourries. Chaco fait tout le boulot, ouais. Non, c'était pas le vrai. Oh, le Gragas, il se fait tellement plaisir. Ils sont en train de les attendre à leur base. C'est sale. Oh non. Chaco est toujours là, hein, les amis. Chaco. Mais remercie Nida. Remercie Nida. Oui, au pire, laissez, hein, ça finira plus vite. De toute façon, c'est. Ah, j'ai mal au nez. C'est fini depuis un moment. Bah, non, c'était pas fini depuis un moment. Disons qu'on avait l'avantage. Mais. Qu'ils auraient pu carrément nous rattraper. S'ils m'avaient chopé plusieurs fois, ils auraient pu carrément. C'est pas. Après, 4 jeux de Timo, c'est un truc, c'est marrant comme ça, parce que voilà. Mais après voilà. Catch de Sako, ça c'est du lourd. Je pense qu'on pourrait tenter le catch de Sako. De Chaco, je vais y arriver. CF noix, Chaco c'est tellement bien à jouer. Je suis pas fan de Chaco personnellement. J'aime pas trop ce style de jeu. C'est comme Tryndamere et Sion aussi, c'est ce genre de trucs. Non Chaco, j'ai dit non. Nope. Je campe. Catch the Eka. Je pense qu'on pourrait en faire pas mal dans ce genre-là. Catch the Eka, ça peut être marrant aussi. Impossible. Après, si j'ai une plage, je défendrai le Thibaut. Ah oui, Alistar, ça marche pas mal. Mais au niveau de défonçage de Timo, c'est pas mal. Mais là, comme il est 17h44 et que je dois rendre l'antenne à 18h, je pense pas qu'on aura le temps de faire un autre catch de Timo. Ou alors il faudrait qu'on finisse hors antenne. Mais le temps qu'on finisse déjà cette game de Dominion, voilà, je pense qu'on n'aura pas trop le temps. On s'arrêtera là. Ce qui est déjà plutôt sympathique et pas mal.
Que se passe-t-il? Hey, ils vont gagner, hein? Ils peuvent gagner encore. Moi, j'ai mis des champis. Lol. Je campe le point. Personne ne le prendra. Si vous pouvez sur Rennes, tout simplement. On pourrait sur Rennes, non? Ou alors un de nous deux, de toute façon, c'est comme. De toute façon, on n'a plus que cette game-là à faire, donc. De toute façon, il reste quoi? Il reste 15 minutes, donc de toute façon, on peut se permettre de la finir. C'est pas un problème. Tu es quelle ligue, chat? Je suis en silver. Chaque. Ah! Bitch! Ah, ta bitch! C'est quoi ce truc? Je sais pas, je vais le prendre, ça a l'air cool. Oh bonjour, une nouvelle. Oui, tout à fait, Akisho. Moi, c'est chat, enchanté. Et c'est la tempête dehors. Le ciel est marron, rouge. C'est très inquiétant. Et pas de bizutage, pas de bizutage. Écoute, j'étais là déjà la semaine dernière, j'ai streamé la semaine dernière à la même heure. Et écoute, tout dépend de ce que tu appelles bizutage. Moi, je défendrai ce point jusqu'à la mort. Ah, mais j'étais au code, là il fait pas beau. Tu avais stream aussi à Noël avec Chips, non? Oui, j'avais streamé avec Chips le 25, ouais. Parce qu'il m'avait proposé de venir streamer avec lui le 25 en blaguant à la base. Puis après, je fais vas-y, chiche. Et j'étais tellement fatigué ce jour-là, c'était trop dur. Mais bon, c'était marrant. C'était très sympathique. Je vous montre un peu les actions qui se passent dans la game, c'est magnifique. Défendre les points vaillamment. Oh, l'ulti de Varus qui est complètement loupé. Oh, les dégâts du Gragas. Il y a l'autre Teemo qui insiste, il veut y aller. Il veut avoir ce point, ils ne veulent pas le laisser à l'équipe adverse. Vous croyez que ça peut se faire des commentaires de Dominion? Ça peut pas être très intéressant quand même à la longue. Ils sont assiégés, ils sont aux portes de leur. Oh, le pauvre Teemo, je pense qu'il va y laisser sa vie. Oui, tout à fait. Oh, le taunt du Vakibase sur la Nida. Et le Ryze qui arrive juste derrière. Ah non, elle va s'en sortir. C'est Nida. Shut down. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont complètement shut down le Gragas. Le Gragas qui est à 12-3 maintenant. Non, non, merde, ça c'était le Ryze. Non, le Gragas est à 12-1, c'était sa première mort. Nous avons Shaco qui essaie de prendre vaillamment le point du top. Car il y a une quête dessus et que du coup, il va gagner un peu plus de points à ce niveau-là. S'il la prend. Putain, il a l'air trop con quand il prend un point, lui. Mon dieu. Coucou chat, salut War Odd. Va chiche, chips et chat, trop de ch chips le dragueur. Non, rien à voir, on est amis, c'est pour ça, on se connaît avec chips. Rien à voir avec de la drague. Il m'avait proposé en déconnant parce qu'on parlait du fait qu'il n'y avait pas de noix ce jour-là. Il m'a fait, ah, viens commenter avec moi. Ah, pardon! Pardon, pardon, pardon. J'étais trop absorbé par ce qui se passait autour de moi et par ma discussion magnifique. Excusez-moi, j'ai failli perdre le point par ces bêtises. Chips Friendzoned. Sympa l'encadré de ta webcam. Merci. C'est mon frère qui a fait ce beau travail. Ouh, le Gragas risque d'y laisser sa vie. La flash out. Il s'en va, il va aller prendre le heal. Bien entendu, le Shaco s'est fait attraper. Et en pleine tentative de prise de points, le Teemo va-t-il y laisser sa vie? Il court le Teemo du Dominion. Il court le Teemo du Dominion. Tu vas te prendre un champi. Oh, tu as été ralenti. C'était une belle manœuvre du Teemo qui l'a ramené complètement sur le champi qu'il avait placé précédemment. Il l'a bien brain et il s'est cassé. Je pense que la partie est gagnée pour nous. Oh, Ryze. Ryze est mort. C'est trop drôle, Lucido est dans tous les chats de web TV française. De what? La queue est bizarre mais jolie. Oui, la queue apparemment, on m'a fait la réflexion. On m'a dit qu'elle était quand même un peu grande, qu'elle prenait un peu de place. J'approuve cette requête. Je ferai en sorte
rétrécir ceci, faire en sorte qu'elle prenne un peu moins de place. Salut, il y aura des VOD. Oui, il y aura des VOD. Oh putain, que se passe-t-il? Oh merde, je suis mort. Oh non. Oh, moi qui défendais vaillamment le point depuis tout à l'heure. Je me suis fait attraper comme un bleu. Fini. Non, pas encore. Pas encore fini. Il reste 25 points. Ils ont repris pas mal de points, donc malheureusement là, ils vont réussir à... Ils vont réussir à arrêter un peu la chute. No. Ah. Ok, il faut reprendre les points pour rebalancer ça. Parce qu'ils ont 3 points, on en a 2. je le trouve trop réel par rapport au design de la webcam. Trop réel par rapport au design de la webcam. Ah, tu parles de la queue. Ouais. Oui. Je suis plus ou moins d'accord avec ça. Bon, je pense que ça va être gagné. Et nous allons finir ce strip sur cette belle victoire de catch de Timo et de Dominion. Ah non, on est à 2-2. Merde, je l'ai pas vu, on est encore à 2-2. Il y a le point là, qui est en train d'être repris. Oh, ils se battent jusqu'au bout, la team rouge. Ils ne veulent pas lâcher le morceau. Est-ce qu'on va se rendre encore une fois comme la semaine dernière? Oh, oh, l'instant du Timo. Voilà, putain. Gragas, il pique. Que va-t-il se passer? Va-t-il y avoir un dernier vote? Yes! Que se passe-t-il? Nous sommes en attente! Merde, attendez, merde, le Gragas. J'ai pas eu le temps de voir l'action, mais je crois qu'il s'est aussi fait des pops. Gragas, il pique. GG, les gars! Merde. GG! Nous avons gagné le catch de Timo, mais vous gagnez la victoire sur la Dominion. Bravo. C'était une belle victoire. Chat, tu aurais une émission par semaine, genre comme Tolki? Oui, je vais streamer, tous les samedis de 18h à... non, de 16h à 18h. Donc là, il est 52, donc nous allons terminer ce stream sur cette magnifique catch de Timo, qui était probablement une partie mémorable, je pense. Nous en referons probablement. Et donc oui, j'aurai un stream par semaine, donc tous les samedis de 16h à 18h, voire un peu plus en fonction de ce qui se passe sur les soirées au gaming qui commencent normalement vers 20h. Donc en fonction de ce qui se passe, ça dépassera ou pas. Donc voilà, tout simplement. Bizarre, t'es dans la team bleue et ton décor est rose. En color blind, c'est rose aussi. Je suis en color blind, c'est pour ça. Je suis en color blind. Parce que je préfère le color blind. Je sais pas, je suis habituée en fait. Mon ex-petite amie était daltonien. Donc du coup, je me suis habituée au jeu en daltonien. Donc, c'est pour ça. Ah, wow, tempête chez moi aussi. Oui, oui, il y a la tempête là. Mais là, le ciel est redevenu à peu près bleu. Donc je suppose que c'est passé. Donc voilà. Écoutez, il est 17h53. On va finir ces quelques minutes par un peu de pub avant de toute façon, je vais vous dire au revoir. Et salut, d'où viens-tu? Je viens de France, enfin de France et de Navarre, enfin je viens de Arc-en-Ciel, Paris, Tempête. Rien, pas de vent chez moi. Eh bien, tu as bien de la chance parce que c'est pas beau à voir. Et merci, bonne semaine à vous aussi, merci d'avoir suivi le stream et de toute façon sur Ogaming on se retrouve la semaine prochaine, samedi, 16h-18h. Pour des super games ensemble, dans la joie et la bonne humeur, bien entendu. Pour la suite du programme, vous pouvez partir sur la... Vous pouvez rejoindre la, après la pub, vous pourrez rejoindre directement sur la TV2. Il y a Kopitz qui va streamer. Et après ça, bien entendu, vous aurez la soirée au gaming en direct du Meltdown. Magnifique, qui sera retransmise par ce sera du LCL NA retransmis et commenté par Chips et Noah, bien entendu. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne soirée. Merci encore d'avoir suivi. Pub et à la semaine prochaine.